Si vous battez en retraite, ce sera la ruine et la destruction pour tous les biens que vous possédez. Et l'esclavage et la mort pour vous et tous les vôtres. Mais j'ai confiance en vous. Vous êtes les descendants de ceux qui ont conquis le monde. Vous saurez vous en montrer digne. Pendant 6 siècles, Rome avait dominé le monde occidental. Les Romains, protégés par leurs armées, avaient édifié de luxueuses villes. Tout cela était rendu possible par le système économique et monétaire basé sur la monnaie d'argent, le denier d'Auguste. Au IIIe siècle, les barbares arrivent. Ces barbares s'attaquent au fondement de l'Empire romain. Désormais, c'est la période de crise, crise politique, crise économique, crise monétaire. Les restaurations entreprises par Aurélien et par son successeur Dioclétien visent à rétablir l'intégralité de l'Empire romain, en particulier la monnaie. Il crée une nouvelle monnaie d'or. Cette monnaie d'or va remplacer la monnaie d'argent. Elle va servir d'échelle de valeur et d'instrument d'échange. Bref, la monnaie d'or va inonder l'Empire romain. À partir de la réforme de Constantin, le sou d'or, qu'on appelle aussi solidus, devient la monnaie du Bas-Empire et du début du Moyen-Âge. En 313, Constantin met un terme à la persécution des chrétiens et promulgue un édit de tolérance qui est la reconnaissance officielle du christianisme. Constantin devient ainsi le premier empereur chrétien. En se baptisant, il lègue à ses successeurs le christianisme comme religion officielle. L'Église critique immédiatement le rôle de l'enrichissement et celui de la monnaie, mais elle encourage les dons et reçoit des tonnes d'or et d'argent de l'empereur et des hauts dignitaires de l'Empire. Sur cette mosaïque de Ravenne figurent côte à côte l'empereur et l'archevêque. Les symboles chrétiens envahissent l'art. Les mosaïstes s'inspirent de scènes bibliques. Ils glorifient l'entente entre pouvoir temporel et spirituel. Le chrisme, monogramme du nom du Christ, apparaît dès 330 sur les monnaies de tous métaux. On le trouve aussi sur les étendards des soldats, allusion à l'aide du Dieu des chrétiens lors des batailles menées par Constantin et ses successeurs. Le renouveau de l'or facilite la constitution de trésors. Les grands propriétaires terriens stockent en or les bénéfices de leurs diverses propriétés réparties dans l'Empire. Le mari de Sainte Mélanie avait comme revenu annuel environ 550 kilos d'or. Un jour que nous avions réuni une somme immense et innombrable, de quoi envoyer pour le service des pauvres et des saints environ 15 tonnes d'or, il me sembla voir la maison illuminée par l'abondance des richesses, comme par un feu. L'Empire se régionalise. En 330, Constantin installe en Orient une nouvelle capitale, Constantinople, qui rivalise immédiatement avec Rome. Désormais, on rencontre dans la circulation monétaire des pièces au nom des deux villes. Celle de Rome représente la louve et les jumeaux fondateurs. Celle de Constantinople montre la victoire posant le pied sur une proue de navire. Au IVe siècle, les raids barbares se multiplient. Pour mieux défendre le territoire, les Romains régionalisent les armées, et dans ce cadre, le futur empereur Julien, au milieu du IVe siècle, va s'installer en Gaule pour défendre le territoire, tantôt en étant sur le Rhin, tantôt en hivernant à Paris. Comme l'or domine, les soldats exigent d'être payés en or. Pour payer ces soldes, on frappe localement de grandes quantités de monnaie d'or. C'est ainsi qu'en Gaule, ce sont les ateliers de Trèves, de Lyon et d'Arles qui émettent les plus grandes quantités d'or.
Tous les ateliers frappent aussi des pièces en argent et en bronze, mais leur rôle est devenu marginal dans l'économie. Tout au long de la première moitié du IVe siècle, les frappes d'or augmentent et le stock monétaire grossit en fonction des besoins militaires. Après 360 environ, ce stock diminue, car la baisse des rentrées fiscales, les invasions et les pertes de territoire gênent les émissions. Pendant le IVe siècle, les ateliers monétaires étaient nombreux et répartis dans tout l'Empire. Chaque invasion conduit à fermer les ateliers. Au Ve siècle, la perte de vastes territoires oblige les ateliers de monnaie d'or à se regrouper au voisinage de Constantinople et en Italie. Circulent désormais les sous d'or de Milan, de Rome, d'Antioche et de Constantinople. Je vous conduirai au combat et à la victoire. Aujourd'hui, les Romains. Demain, le monde. Attila, comme les autres barbares, se constitue un formidable trésor de guerre. Ses troupes rançonnent ou dévastent les villes d'Occident, puis se retirent en Europe centrale où le métal est refondu. Après la mort d'Attila, les troupes romaines de Constantinople, lançant une contre-offensive, récupéreront une partie de son trésor. Il sera alors transféré à Rome, où il servira aux frappes de l'empereur en Thème pour financer la guerre contre les Vandales. Ainsi circulaient les trésors des rois. Au Ve siècle, les barbares ont franchi les frontières romaines. En Gaule, les Visigoths s'installent à l'ouest, les Burgondes à l'est et les Francs au nord. Ils occupent les villes, réutilisent les monuments, mettent la main sur les stocks d'or et d'argent. Ils copient rapidement les habitudes romaines et ouvrent des ateliers monétaires dans les grandes villes. À Lyon, l'atelier monétaire romain était fermé depuis l'année 413. Il faut attendre sa réouverture par les rois burgondes en 507 pour retrouver des séries abondantes et identifiables de monnaie d'or. Les Burgondes ont un monnayage qui, comme celui des autres peuples barbares, s'inspire directement des monnaies romaines puis des monnaies byzantines, comme on le voit sur l'exemple que nous avons choisi pour illustrer ce panneau. La grande chance que l'on a avec les monnaies burgondes, c'est qu'elles possèdent souvent, à un moment dans le champ du revers, un signe, un monogramme, qui est en fait la contraction de toutes les lettres composant le nom du roi burgonde. Seuls à utiliser ce type de distinction, les autres peuples se contentent d'imiter purement et simplement les monnaies byzantines. C'est le cas des Visigoths qui émettent dans le sud-ouest de la France et en péninsule ibérique. C'est aussi le cas des Francs. Dépourvus de toute marque, ces monnaies sont classées en fonction de leur style de gravure. Le monnayage burgonde, comme le monnayage franc ou le monnayage des Visigoths, est essentiellement basé sur la monnaie d'or. Les frappes en argent sont beaucoup plus rares, de même que les monnaies en bronze. Sous l'impulsion de Clovis, les Francs agrandissent leur territoire. Ils repoussent dès 507 les Visigoths en Espagne, puis battent les Burgondes. Le baptême de Clovis met un terme au conflit religieux. Il unifie ainsi les divers peuples dans une seule entité, la France,
et installe au pouvoir la première famille royale, les Mérovingiens. Vers cette époque, des types monétaires régionaux se développent, comme la célèbre série à la boucle perdue, caractéristique des émissions de la France orientale. Mais l'unité territoriale réalisée par Clovis est de courte durée. À sa mort en 511, ses quatre fils se divisent le royaume. Ce premier partage des terres et des richesses inaugure une longue tradition. Chaque roi doit être riche, et l'importance de son trésor est la façon de mesurer sa puissance temporelle. Les armées passent alors leur temps à piller et les rois à entasser des trésors qui sont à leur tour pillés. Seule l'Église échappe à ce pillage et conserve définitivement les terres et les richesses. À partir de 575, le type monétaire mérovingien s'uniformise, mais perd toute référence au souverain. En partant de l'ensemble des pièces connues, Georges de Perrault a cherché des critères pour construire la chronologie des émissions monétaires. Il a dû reprendre les recueils de dessins de monnaie du XIXe siècle, vérifier la lecture des inscriptions, le poids des pièces, puis compléter avec les nouvelles découvertes. Un véritable travail de patience. Toutes ces monnaies ont la même structure. D'un côté, un nom de lieu, ici Lugdunum, la ville de Lyon. Et de l'autre, celui des orfèvres qui ont frappé la monnaie, ici Girius et Petrus. Mais on ne connaît pas la période d'activité de ces monétaires. Alors comment retrouver la chronologie des émissions? Il y a une règle numismatique. Nous savons que les monnaies les plus lourdes et celles qui ont la plus grande quantité d'or pour les monnaies d'or sont les premières monnaies de chaque émission. C'est-à-dire qu'au départ, les monnaies sont lourdes, de très bonne qualité. Et au fur et à mesure que les années passent, cette quantité d'or diminue et ce poids s'affaiblit. Ces trois pièces, a priori et à première vue, sont assez semblables. Cependant, si on les pèse et si on les examine, on s'aperçoit que celle-ci pèse beaucoup plus que celle-là. Rien que la constatation du poids de ces différentes monnaies permet d'affirmer de façon sûre et claire que cette monnaie-là est antérieure aux deux autres. Si on regarde les deux autres qui ont le même poids, l'une est beaucoup plus jaune que l'autre, il n'y a pas le même alliage. Ces critères techniques, mathématiques, métrologiques doivent être recoupés, bien entendu, avec l'ensemble des autres critères, tels que les liaisons de coins, tels que l'évolution stylistique, tels que les noms de monétaires que l'on va trouver. Et à ce moment-là, effectivement, nous pouvons reconstituer les quantités produites et comparer les chiffres que nous avons, les données numismatiques pures, avec d'autres éléments historiques et voir dans quelle mesure la numismatique permet d'éclairer et d'apporter de nouvelles informations à la compréhension de la période. Les conclusions de l'étude montrent que le stock monétaire mérovingien augmente tout au long du 5e siècle jusqu'au règne de Clotaire, puis de Dagobert. Leurs victoires, leurs alliances, la force de leurs armées en firent des rois riches. Après eux, dès 640, la situation va se dégrader. Les monnaies de Clotaire et de Dagobert sont les plus spectaculaires des monnaies mérovingiennes. Elles réintroduisent le buste royal. Alors moi, je suis le roi Dagobert. Dagobert, premier roi des Francs. Il est là, devant toi, là. Où as-tu trouvé la couronne de ton roi? Je l'ai trouvé par terre, sous le buisson, mon roi. Ah, mais je suis tout aise, je m'en souviendrai. Mais maintenant, il faut me la rendre. Allez, donne. Bûcheron, je suis le roi, enfin. Bon, regarde, voilà. Tiens, regarde, voilà. Regarde. Vois-tu, regarde, voilà. Regarde, c'est moi. C'est moi, c'est mon profil. Ah. Voilà. Bon, oui, t'as mis ta couronne à l'envers.
La région marseillaise et Marseille étaient parmi les très grands ports d'arrivée de marchandises et de métaux précieux. C'est à Marseille qu'arrivaient les solidi byzantins, c'est à Marseille qu'arrivaient les pièces d'or frappées dans la Méditerranée occidentale, et bien entendu, ces pièces d'or étaient refondues et refrappées à Marseille. C'est pour ça que nous avons ici un des plus gros ateliers de l'époque mérovingienne. Les frappes locales portent les noms des empereurs byzantins. Le revers est directement inspiré des frappes orientales. On y trouve l'indication de poids, 7 siliques, et celle de l'atelier monétaire. Emma pour Marseille, AR pour Arles. À l'époque de Dagobert, il y avait en France deux grands ateliers monétaires, Paris et surtout Marseille. Marseille dépendait, comme celui de Paris bien entendu, de l'administration royale, et c'est pour cette raison que l'on retrouve le nom des lois, Eligius, à la fois à Marseille et à la fois à Paris. À la mort de Dagobert, son trésor a été inventorié et réparti entre ses héritiers. Cette tradition affaiblissait le royaume. À l'inverse, les biens de l'Église ne se divisaient pas. Au fur et à mesure des années, l'Église thésaurise donc un nombre impressionnant d'objets et de monnaies, et sa puissance augmente. Seule l'Église était capable de financer la construction de grands édifices. Il ne reste donc de cette époque que des vestiges religieux, comme l'église Saint-Victor de Marseille ou la célèbre crypte de Jouarre près de Paris. Il s'agissait de protéger les restes des saints et des hommes d'église et d'organiser des pèlerinages. Ces hommes d'église qui conservent la tradition de l'écrit conseillent les rois. Les grandes fonctions régaliennes, comme la frappe monétaire caractéristique de l'époque romaine, disparaissent et sont reprises en particulier par l'église. Le rôle du roi diminue et au contraire, les églises, les monastères, les abbayes se mettent à frapper. Il y a donc un transfert en quelque sorte du rôle de l'État vers celui de l'Église en matière monétaire. On constate durant cette période une relation entre les évêchés et les frappes monétaires. Pour certains, il y a maintien de la fonction commerciale de la monnaie. Mais il semble beaucoup plus, lorsqu'on fait la liaison avec le rôle de l'Église, que la monnaie est une valeur votive, qu'on la fasse frapper pour faire des offrandes et qu'on la destine à remplir en quelque sorte le trésor des Églises. À la fin de la période, durant le 7e siècle, lorsque le nombre d'évêchés va diminuer, lorsque les évêques ne seront plus présents, lorsque l'Église elle-même sera touchée par la crise, à ce moment-là, les frappes monétaires cesseront petit à petit. À la fin de l'époque mérovingienne, le royaume traverse une période troublée. Le territoire sur lequel s'étend l'autorité royale est très réduit. Les épidémies sont fréquentes, les cités se vident. Dans un tel contexte, la monnaie ne peut que disparaître. Il faut attendre la fin du 7e siècle pour qu'apparaissent les premiers signes de renouveau. Les maires du palais affirment leur autorité et adoptent un monnayage d'argent. Une pièce frappée à Lyon porte explicitement le nom de cette nouvelle monnaie, le denier. Beaucoup d'ateliers ouvrent à nouveau. Cette phase de reconstruction monétaire mérovingienne se terminera sous Charles Martel, dont le fils Pépin le Bref deviendra roi. Au 7e siècle, alors que l'Europe s'enfonce dans la crise, les armées islamiques envahissent les États d'Arabie, la Perse, l'Afrique du Nord et franchissent le détroit de Gibraltar. Au 8e siècle, le monde musulman est à son apogée. Allahu Akbar. Au tout début de l'islam, à l'époque du prophète, les Arabes connaissaient la monnaie et l'utilisaient pour les relations commerciales avec les régions sous administration byzantine. Mais entre elles, les tribus arabes n'utilisaient pas des pièces de monnaie et utilisaient un système de troc. Au moment de la conquête, les califes vont être obligés de mettre sur pied un système administratif complet pour cet ensemble énorme de territoires qu'ils ont sous leur direction. Le calife Abdelmalik, en fait, va
réformer entièrement son administration et inclure dans cette réforme le système monétaire. Le système monétaire arabe est divisé en deux grandes zones géographiques. La principale se situe autour de la Méditerranée où circulent des pièces d'or, les dinars. Alors qu'à l'est de l'Irak, le système monétaire est fondé sur les monnaies d'argent, les dirhams. Les premières monnaies frappées par les Arabes s'inspirent directement des types monétaires byzantins. On retrouve sur les champs les figures impériales, empereurs, fils d'empereurs, impératrices, qui étaient sur les monnaies byzantines. Ensuite, les monnaies seront entièrement épigraphiques. Il n'y aura plus aucune image sur les champs. Et ces images seront remplacées par des extraits du Coran. L'économie et les échanges commerciaux sont favorisés par l'unification du système monétaire. Un seul poids, un seul type monétaire, la monnaie est la même d'Espagne en Iran. Les pays arabes méditerranéens et l'Empire byzantin ont un système fondé sur l'or et l'argent. Les peuples d'Europe ne frappent que de l'argent. Les trésors monétaires étudiés soulignent l'absence de relations entre les deux rives de la Méditerranée. Le commerce international passait plutôt par la Russie. Les peuples du Nord vendaient des métaux, de l'ambre et des esclaves qui étaient payés par les Arabes, principalement en monnaie d'argent. En France, les cavaliers arabes sont arrêtés par Charles Martel à Poitiers en 732. Ils renversent le dernier roi mérovingien et son fils Pépin le Bref s'installe sur le trône. Pour créer un stock monétaire stable, Pépin le Bref impose à tous les ateliers une nouvelle pièce portant le nom du roi d'un côté et celui de l'atelier au revers. Ainsi naît le denier carolingien. Charlemagne, à la tête de son armée, repousse les frontières du royaume. La lutte contre les païens justifie l'expansion de son empire. Jamais depuis l'époque romaine, un État n'aura été aussi vaste. Désormais, la France, une partie de l'Espagne, de l'Italie et de la Germanie sont soumises à l'autorité carolingienne. Charlemagne est couronné empereur par le pape. Il s'appuie alors sur les structures de l'Église pour asseoir son autorité. Les évêques deviennent ses relais dans chaque région et à nouveau l'Église bénéficie de nombreux dons. L'église d'Aix-la-Chapelle symbolise cette période. C'est l'un des très rares monuments construits par Charlemagne à avoir subsisté. La paix favorise le développement urbain. Charlemagne remet en circulation de vastes stocks monétaires d'argent. Le commerce renaît et la monnaie retrouve sa place dans la vie quotidienne. Les premières monnaies de Charlemagne s'inspirent du type de Pépin le Bref. À partir de 793, il introduit sur les pièces la signature que l'on trouve sur les parchemins. Tantôt c'est son nom, Carlus Rex, qui entoure sa signature. Tantôt c'est le nom de l'atelier, ici Lugdunum. Ces changements de type s'expliquent par la crainte du faux monnayage. À chaque fois, on retire toutes les anciennes monnaies et on fait frapper un nouveau type monétaire. À l'occasion, on diminue aussi le poids pour faire un fructueux bénéfice. Malgré les découpages ultérieurs, l'unité monétaire va survivre à l'empire de Charlemagne. Au revers des monnaies de son fils Louis le Pieux, le nom de l'atelier est inscrit en une, deux ou trois lignes. Même si le type monétaire évolue, le denier reste stable. L'œuvre de Charlemagne sera mise à mal par les peuples de la mer. À la fin de son règne, les Vikings attaquent l'Empire. Pillage et rançon redeviennent le quotidien. Thank you.
Pour lutter contre les Vikings, il faut payer les fortifications, payer les armes, payer les rançons. Charles le Chauve crée un nouveau denier portant d'un côté son monogramme et au revers le nom de l'atelier. On en connaît plusieurs centaines. L'Europe occidentale conservera jusqu'au XIIIe siècle ce système monétaire carolingien fondé sur le petit denier d'argent. Les frappes carolingiennes étaient directement liées à la crise des Vikings. Le stock augmente durant tout le IXe siècle, puis diminue avec le retour à la paix. Au début de la période carolingienne, les trésors sont rares. Durant le IXe siècle, au moment des invasions vikings, ils deviennent nombreux et se répartissent dans l'ensemble du territoire. Au fur et à mesure que les vikings sont repoussés au Xe siècle, les frappes baissent. Les trésors se font alors de plus en plus rares et se concentrent au nord, là où des combats ont encore lieu. Obligés de se fédérer derrière le roi pour lutter contre les vikings, les vassaux chargés de défendre des portions de territoire reprennent leur indépendance. Dans le cours du Xe siècle, ils construisent des châteaux à partir desquels ils vont régner sur leurs terres. Derrière leurs remparts, ils s'approprient, d'abord de manière clandestine, puis avec l'accord du roi, le droit de frapper monnaie. Dans la France du début du XIIIe siècle, on dénombrait près d'une centaine d'ateliers monétaires. Chacun d'entre eux produisait de grandes quantités de monnaie. Les seigneurs féodaux se font la guerre, pillent les richesses et les transforment en monnaie. C'est une période de déstockage qui renforce le circuit économique. Pour le roi, pour le comte, pour l'évêque, la frappe de la monnaie est un revenu. C'est-à-dire qu'il y a une différence importante entre le coût de fabrication de la monnaie, c'est-à-dire l'achat du métal, les frais de fabrication et la valeur de la monnaie. Cette différence, c'est son bénéfice. Et ce bénéfice représente une part importante des revenus d'un royaume ou d'un seigneur. Avec la montée en puissance des ateliers féodaux, les frappes au nom du roi diminuent. Si on considère que vers l'an 800, les frappes royales représentent la totalité du stock monétaire, elles n'en représentent plus qu'un tiers vers l'an 1000. À partir de ce moment-là, le roi n'est plus qu'un seigneur comme les autres. On ne connaît presque pas de coins monétaires féodaux, sauf la belle série de l'atelier d'Arras, du XIIIe siècle, attribuée au comte Robert d'Artois. Ils sont conservés au musée de la Monnaie de Paris. Il s'agit d'outils qui ont servi à la frappe des petits deniers de la région d'Artois. Certains sont pratiquement à l'état neuf, celui-ci n'a pas connu de déformation, alors que d'autres ont manifestement eu une durée de vie beaucoup plus longue, sa hauteur est nettement moindre, il a déjà fortement servi, la surface supérieure a éclaté sous le choc du marteau. Il s'agit d'un essai monétaire réalisé à l'aide d'un des outillages de la collection d'Arras. Chaque partie du motif est constituée par un poinçon précis qui est répété autant de fois que nécessaire pour réaliser le motif complet. Il y a pour la gravure et la frappe monétaire manifestement un groupe d'ouvriers et de techniciens capables de mettre en œuvre cette technologie que l'on peut considérer comme une technologie de haut niveau. En fait, les besoins en numéraire obligent les ateliers à une production massive. Ces ateliers emploient un personnel spécialisé, les uns dans la fonte des métaux ou dans la préparation des flancs, les autres dans la gravure des coins ou la frappe. Les seigneurs confient la responsabilité de l'atelier à des maîtres d'œuvre qui utilisent leurs compétences pour diriger la frappe, mais aussi pour acheter au meilleur prix le métal. Ces maîtres d'œuvre louent leurs services et se paient sur les bénéfices de l'atelier.
Chaque atelier créait son propre type, mais le plus souvent s'inspirait de types régionaux dominants. Par exemple, on connaît le denier parisien, la tête blésochartraine, la tête de face, la crosse. Chacun d'entre eux est plus représentatif d'une partie du royaume. Ces grands types étaient indépendants du statut du seigneur, laïque ou ecclésiastique. À Cahors, c'était l'évêque qui était le seigneur féodal. Il avait tous les droits féodaux, y compris celui de frapper monnaie. De cette époque, nous avons principalement des fortifications où se vérifiaient les entrées des hommes et des biens. À l'entrée des villes, dans les octrois, arrivaient régulièrement de nouvelles monnaies. Ces monnaies étaient issues par différents ateliers de la région ou même, parfois même, des monnaies étrangères. Toutes ces pièces avaient des titres et des poids différents. Il fallait donc changer. Pour cela, s'installer près des entrées ou dans les villes des changeurs, dont la fonction était de redonner un peu de fluidité aux échanges monétaires. Prenons un exemple. Nous savons que la monnaie de Cahors et la monnaie de Rodez avaient exactement les mêmes caractéristiques physiques. Il n'y avait pas besoin de les changer. Par contre, avec une monnaie de Toulouse, on obtenait 4 pièces de Cahors. Et pour cela changeait pour chaque atelier féodal. Chaque atelier avait ses caractéristiques et ses habitudes. À côté des spécialistes de la frappe, à côté des changeurs, réapparaît une nouvelle strate spécialisée dans les opérations monétaires. Ce sont les banquiers. La lecture de leurs livres de compte nous renseigne sur leurs activités de prêt aux particuliers et leur implication dans le commerce international. Ici, à Cahors, les Cahorsins étaient des banquiers bien connus dans le monde médiéval, puisqu'ils s'occupaient d'énormément de transferts d'argent, de grosses sommes, entre les différents pôles de l'économie monétaire de l'Europe occidentale. En Arles, l'église et le cloître Saint-Trophime font partie des hauts lieux de l'art roman. Au cœur du Moyen-Âge, l'Europe occidentale est couverte d'églises, de monastères et de cloîtres comme celui-ci. L'église, grâce à sa structure, dépasse largement les frontières et les langues locales. Elle est présente également à la cour des principaux princes et ça lui permet d'élaborer un nouveau dogme économique. Elle autorise le prêt, mais elle interdit le prêt à intérêt. C'est pour ça que ce prêt à intérêt sera exercé par des non-chrétiens, en particulier les juifs. Dans un autre côté, elle interdit les escroqueries, ce qu'elle appelle la lésion énorme, c'est-à-dire lorsque l'échange n'est pas équitable. Tous ces exemples seront synthétisés dans le courant du XIIIe siècle par saint Thomas d'Aquin lors de la rédaction de sa somme théologique qui restera la base de la doctrine de l'Église en matière économique. Dès le XIIe siècle, le roi réussit à étendre son royaume. Il procède par accord politique, mais il peut le faire par la guerre. Cette expansion du territoire royal concerne d'abord le nord de la France, tandis que de puissants féodaux se partagent le sud. À chaque fois, le roi impose sa monnaie, ferme ou limite la production des ateliers féodaux. Non seulement les caisses royales reçoivent davantage d'impôts, mais les ateliers royaux qui frappent de plus en plus dégagent de plus en plus de bénéfices. Le consul de Béziers. Le consul. Alors, ces hérétiques. Les 222 présumés hérétiques, de par les listes que vous nous avez fait tenir. Vous les livrez ? Jamais. Vous n'avez pas à décider, c'est le Seigneur qui décide ! Ici, c'est le conseil qui décide des affaires de la cité. Et le conseil a d'abord décidé que personne n'aura de nous un denier vaillant pour que nous changions de seigneurie. Si vous refusez de nous livrer les hérétiques de Béziers, c'est que vous êtes tous des hérétiques. Vous vous trompez, messire abbé. Les catholiques de Béziers nieront-ils la présence d'hérétiques dans leur ville ? Il n'y a ici que des citoyens. Des citoyens ! Thank you.
XIIIe siècle, le roi se lance dans une croisade contre les seigneurs du sud de la France, sous couvert de lutte contre les hérésies. Lorsque le roi part en croisade contre les Albigeois, il est clair que pour lui, cette croisade va être l'occasion de rattacher à plus ou moins brève échéance les territoires à la couronne, mais également d'augmenter la zone de production monétaire et d'augmenter la zone où va circuler sa propre monnaie. Il va imposer sa monnaie dans tous les usages quotidiens, il va imposer également sa monnaie dans les taxes, dans les impôts. Et au fur et à mesure, ce sont des nouveaux ateliers monétaires royaux qui vont remplacer les ateliers féodaux. Dès la chute de Carcassonne, l'atelier féodal ferme. Un atelier royal est alors ouvert dans la ville. Il faut savoir que dans ces régions, l'usage de la petite monnaie était plus répandu que dans le nord de la France. La présence romaine avait laissé des traces dans la manière de gérer la cité, comme dans les rapports commerciaux. La frappe des monnaies dans ces régions était donc, pour les caisses et les finances de l'État, extrêmement fructueuse. Sur les hauteurs de Carcassonne, le petit village de Sessac. C'est là qu'on a trouvé un des premiers trésors royaux. Il contient environ 2000 deniers du XIIIe siècle. Ce trésor se situe dans la seconde moitié du règne de Louis IX. Il va imposer au fur et à mesure de ses conquêtes un nouveau type monétaire, le type royal. Ce type royal se caractérise par, d'un côté, la croix et le nom du roi marqués de façon explicite, Ludovicus Rex, et de l'autre, le châtel tournois, qui est la caractéristique, la monnaie de Tours, type que va reprendre le roi et qu'il va imposer dans tous les ateliers de sous sa direction. Dans le trésor de Sessac, nous n'avons qu'un seul type monétaire, mais il y a des différences caractérisées par des points secrets ou des ponctuations qui permettent d'identifier plusieurs groupes. Ces groupes sont plus ou moins importants et peuvent correspondre soit à des périodes de frappe, soit à des ateliers. Mais actuellement, en l'état de la recherche, nous ne savons pas attribuer ces productions monétaires aux ateliers qui ont pu les émettre ou qui ont émis des monnaies au châtel tournois. Le port fortifié d'Aigues-Mortes symbolise la puissance royale sur les côtes méditerranéennes. Au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire en gros au milieu du règne de Louis IX, le royaume de France est pacifié, il n'y a plus de guerre interne. Louis IX a réussi à imposer sa nouvelle monnaie en argent dans tous les ateliers du royaume. Et il va se lancer dans une politique de conquête et d'ouverture vers l'Orient. C'est-à-dire qu'il va se lancer dans des croisades destinées à agrandir son royaume. Les croisades, c'est le choc de deux cultures et de deux espaces économiques et monétaires. En Europe occidentale, on frappe la monnaie d'argent. Au contraire, de l'autre côté de la Méditerranée, le système monétaire arabe est fondé sur la monnaie d'or, le dinar. Louis IX, qui connaît bien la zone arabe puisqu'il a déjà été en croisade, sait qu'il lui faut de la monnaie d'or. Il va donc, pour commercer, pour préparer sa croisade, demande à l'atelier de Paris de frapper de nouvelles monnaies d'or, l'écu d'or, qu'il va destiner à une utilisation outre-Méditerranée. Ces nouvelles frappes d'or, qui réapparaissent après plusieurs siècles d'arrêt, marquent un nouveau tournant, important tournant dans les frappes monétaires françaises. C'est le début des frappes d'or qui vont durer pendant plusieurs siècles, pratiquement jusqu'à nos jours. C'est un nouvel espace économique et un nouvel espace monétaire qui s'ouvre à la fin du Moyen-Âge.